Là où les moyens humains ont échoué, le Seigneur Jésus-Christ a délivré toute personne se confiant en lui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Nos invités à l'émission d'aujourd'hui sont Robert et Nathalie Hainaut. Et le duo Lynn Gass et Linda Derry sont de retour avec une chanson qui donne toute la gloire à leur bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, il en reste encore, même si la série s'achève, il reste encore une assez bonne quantité de ses ouvrages, Les Leçons de Marie et Bonne Nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant offert par la Société biblique canadienne. Et en ce qui concerne le livre de Gaston Racine, il y a les numéros de téléphone, en effet, il faut les noter. Edmonton 403-449-5291, il y a Granby au 514-375-4575, La Tuque 819-523-2340, et je vous donne les autres numéros un petit peu plus tard. Je pense que j'ai encore le temps. J'allais dire que je voulais lire quelque chose ici. L'auteur du livre « Les leçons de Marie » écrit à une heure où notre jeunesse se passionne de plus en plus pour des vedettes qui trop souvent, hélas, trouvent leur gloire dans ce qui devrait faire leur honte. Il nous a paru utile d'évoquer pour nos lecteurs le vrai visage de celle qui, sans cesse, nous conduit plus haut qu'elle, à celui qui fut, dans la joie et la souffrance, sa raison de vivre, de croire, d'espérer et d'aimer. Le Seigneur Jésus-Christ, son Sauveur, notre seul Seigneur. Alors, nous vous encourageons à faire la demande de ses ouvrages et aussi le Nouveau Testament si vous ne le possédez pas. Nous nous rendons maintenant, sans plus tarder, auprès de Robert et Nathalie Hainaut. C'est tout près des frontières américaines, là. Nous nous rendons auprès d'eux maintenant. C'est Robert et Nathalie Hainaut du comté de Bellechasse. Nous sommes présentement à Saint-Just, c'est pas très loin d'ici. Non, chez nous, c'est à peu près à 20 minutes là, en voiture. Là. Ça me fait plaisir d'accueillir un jeune couple et encore amoureux, j'imagine. Hein? Ah oui, c'est beau l'amour. C'est beau, on dit. Je pense que je pose la question, puis j'ai pas besoin de la poser. En plus de connaître la vie d'un jeune couple, vous avez deux enfants, je les ai vus tantôt, deux jeunes enfants. Et vous connaissez le Seigneur en plus dans votre vie. On va en parler de ça. Mais présentement, qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Bien, moi, présentement, là, je suis en recherche d'emploi. Là, mm-hmm. Puis, on est venu s'installer. Ça fait juste un an qu'on reste dans la région. Là. Vous habitiez où? À quel endroit? La région de Montréal. Ah, de Montréal? Oui. Puis, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages dans la région de Montréal, hein? Non. Encore moins ici, là. Encore moins ici? Mais vous avez cru trouver quelque chose dans le coin? Ah oui, j'aime beaucoup la campagne, oui. Tout ce qu'on peut faire, les jardins, puis pour les enfants aussi. Là. Pour élever une famille, je pense que vous avez c'est beaucoup mieux. Ouais. Bien, racontez-moi un petit peu, j'ai connu, je pense, Nathalie autrefois lorsqu'elle était assez jeune, très jeune. À Montmagny, c'est là que je rencontrais. Moi, je venais donner des conférences et puis Nathalie était là dans l'auditoire avec sa famille. Alors, j'imagine qu'elle a entendu l'Évangile par sa famille, mais je ne connais pas beaucoup. Puis c'est la première fois que j'ai le plaisir de rencontrer Robert aujourd'hui et je vous remercie, je suis reconnaissant que vous ayez accepté de venir parler de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Alors, on va commencer avec Nathalie. Et puis, Nathalie, qu'est-ce qui se passait là, avant de lire la parole de Dieu? Quelle sorte de vie? Est-ce que vous étiez attirée par les choses spirituelles quand vous étiez petite fille à l'école? Oui. Les rencontres que les prêtres faisaient dans les salles d'école, les choses comme ça, j'y allais tout le temps. J'étais dans le chorale, église. Alors, vous aviez comme une préparation pour... accepter le message de la parole de Dieu un jour, hein, puis vous connaître. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, puis... Mais s'il y avait tout le temps de quoi qui accrochait, j'étais tout le temps jamais satisfaite, là. Il y a une fois, là, il y avait eu une conférence pour montrer des miracles que Dieu pouvait faire, là.
Puis elle était à l'école. Puis un monsieur qui était venu dire que, bon, le Seigneur l'avait arrêté de fumer. Il fumait plus. C'était un monsieur qui fumait énormément. Puis une semaine après, je le rencontre sur le trottoir. Il fumait encore. C'était... Ça n'a pas duré, son affaire. Il y avait tout le temps de quoi comme ça là, qui était décevant là, quand j'étais petite. Là. Ça prouve, Nathalie et Robert, que la religion, jusqu'à un certain point, peut aider, mais ça ne peut pas transformer ou changer, donner un cœur nouveau. Mm. Ça peut être un entraînement qui peut être bon, hein? Il peut y avoir des bonnes choses, mais ce que vous aviez besoin, Nathalie, c'est un changement de cœur. Hein? Et ça, vous allez nous en parler, j'en suis persuadé. Et comment vivais-tu, toi, Robert, avant de connaître la parole de Dieu comme tu l'aimes aujourd'hui, comme tu l'as avec toi? Est-ce que c'était à Montréal que tu avais entendu parler? Oui, c'est ça. Dans la région de Montréal, là, on était une famille peu religieuse, je dirais. Puis on allait à l'église juste à la messe de minuit dans le temps des fêtes, là, pas beaucoup plus souvent. Une ou deux fois par année, pas plus. Puis j'ai grandi comme ça, puis jusqu'au jour, à un moment donné, mon père, il travaillait à l'Hydro-Québec, puis il y a eu beaucoup de transferts, là, souvent, quand il travaillait. Puis on est allé vivre en Afrique pendant 5 ans. C'est vrai. Puis là, il y avait encore, il s'était rien passé encore. Mais c'est à mon retour, moi, j'avais des problèmes de comportement, tu sais, j'étais dans l'adolescence. Puis moi, mon gros problème, ben, je fumais beaucoup aussi. Puis c'était la drogue, puis la boisson. Là-bas, c'était pas cher, la boisson. Puis, En Afrique? Ouais. C'était dans quelle partie d'Afrique? C'était au Cameroun. Oui. Ouais. C'est une belle expérience quand même si ça a c'est été... C'est dans l'Afrique centrale, ouest. Puis, les tentations étaient plus grandes, c'était plus facile d'avoir de la drogue ou des cigarettes, c'est des choses ça, c'était moins cher, puis... Mais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que c'est à mon retour ici, là, quand j'ai rencontré un de mes amis qui commençait à me parler. C'était au travail, là. Je travaillais comme caissier de nuit. Je suis arrivé sur la job un soir à 11h, puis il y avait un gars qui était venu vendre des sapins de Noël. Là, puis, c'est lui le premier qui m'a parlé. Il y a un Jésus au-dessus de nous autres, puis tout. Puis, moi, je m'avais jamais arrêté à ça vraiment. Puis, tout ce que je pensais, c'était de prendre la drogue, de vendre la drogue, puis c'était presque ça, ma vie. Faut dire que ce comportement-là a commencé quand mes parents ont divorcé. C'est ça qui a fait... On était 4 dans ma famille, j'ai une grande sœur, puis on a toutes eu notre réaction. Moi, ça a été la drogue. Ma mère, ça a été le travail. Elle s'est mise à travailler sans cesse. On a toutes eu notre réaction face à ça. Surtout d'aller vivre en Afrique avec ça, c'est l'adaptation de ça. Puis là, tu entends parler du Seigneur à Montréal. Ouais. Vous ne vous connaissez pas encore là, à ce moment-là? Non. Non. Puis moi, je m'étais toujours dit, si je peux arrêter de fumer, j'aimerais donc ça. Ou arrêter de prendre un coup, ou la drogue. Tu sais, un des trois. Mais moi, de manière que c'est arrivé, j'ai fait les trois en même temps. Là, je suis persuadé qu'il y a des gens qui prennent le nom de Robert, puis Nathalie et nous, là, puis ils disent il faut téléphoner à toute la Bible en parle pour connaître son secret. Ouais. Moi, je pensais jamais. Est-ce que vous connaissez son secret, Nathalie? Oui. Moi, en tout cas, comme beaucoup de monde, je ne croyais pas à ça, puis je me suis aperçu qu'il y avait une puissance en quelque part, là, qu'il suffisait de le demander, puis qu'on pouvait le voir. Moi, je ne croyais pas en Dieu parce que je ne le voyais pas, puis il ne me parlait pas. Aujourd'hui non plus, il ne me parle pas. Mais quand que je prends ma Bible puis que je lis dedans, ben là, je m'aperçois que tout le mal que j'ai pu faire, quand je vendais de la drogue à des jeunes, puis tout, je pensais que c'était normal, ça, moi, de faire ça. Puis... Mais quand je me suis mis à lire là-dedans, puis vraiment de commencer à prier, parce que j'ai eu de la misère, je ne me décidais pas. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que j'ai juste demandé au Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi là. Puis c'est là que je travaillais. Puis je pense que ça s'est fait une fin de semaine ou un lundi. Rendu au vendredi, je regardais ça dans ma semaine. C'est vrai que je travaillais beaucoup. Je me suis dit, j'ai pas eu de cigarette cette semaine. J'ai pas pris un coup après ma journée de travail. Puis je travaillais avec mon copain justement
qui m'avait parlé du Seigneur. Fait que j'étais aussi en présence de personnes qui n'en prenaient pas. Ça aidait aussi un peu. Mm-hmm. Fait que c'est à partir de là que je me suis dit, ouais, vraiment, j'étais ignorant, si on peut dire, vis-à-vis du Seigneur. T'sais. Puis sûrement que ça a contribué beaucoup à accepter le Seigneur dans ta vie, Robert. Ah, c'est... J'avais demandé de me le montrer parce que je voulais pas perdre mon temps à prier aux nuages et des affaires comme ça. Ouais. Puis il me l'a montré. Vraiment, il me l'a montré. Est-ce que tu veux nous dire brièvement, puis on va demander à Nathalie comment ça s'est produit pour elle de connaître le Seigneur comme son sauveur dans sa vie. Et pour toi, est-ce que tu te souviens du moment précis? Bien, c'est au moment que j'y ai demandé, là, puis que j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose. C'est à ce moment-là, quand tu l'as prié, le miracle s'est fait dans ton cœur. C'est là, ça, puis j'ai rencontré du monde qui faisait partie d'un club de moto chrétien, là. Oui. Le club Maranatha, il y a beaucoup de monde qui connaissent. Oui, oui. Puis, je vois, c'est marqué Maranatha sur ta Bible ici aussi. C'est ça, c'est eux autres qui ont fait mon cheminement. On allait faire des parties de bicycle la fin de semaine, puis il n'y a pas personne qui prenait un coup. Je regardais ça, ouais, où la bière, puis elles sont où? Surtout des gars de moto. Puis le lendemain, je me rappelais tout ce qu'on avait fait, puis on avait eu bien du plaisir. Ça c'était nouveau pour moi, parce que souvent, le lendemain, je ne me rappelais plus de grand-chose. Là, est-ce que vous vous connaissiez à ce moment-là? Pas encore. Non, c'est avec ses... C'est venu vraiment séparément, tous les deux, là, comme ouais, ça. Oui, c'est parce que son frère a rentré dans cet organisme-là, comme moi, le Maranatha. C'est comme ça qu'on s'est connus, dans un rallye de bicycle, justement. Bon, on va laisser la parole à Nathalie pour me raconter ça. Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, toi, quand tu l'as rencontré, là? Quand je l'ai rencontré, moi, ça faisait à peu près un an que j'étais revenue au Seigneur parce que je m'étais éloignée. Je suis venue au Seigneur jeune, moi. J'avais 12 ans quand je suis venue au Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut dire, Nathalie, par venir au Seigneur? Venir au Seigneur, c'est quand j'ai décidé de l'accepter dans mon cœur pour vivre pour lui, donner ma vie à lui. Puis quand j'ai eu 17 ans, mais ça c'était un peu l'âge critique d'à peu près toutes les jeunes, là, je voulais faire à ma tête. J'ai laissé bien des choses de côté, j'ai essayé à peu près tout ce qui est jeune, tout ce que les jeunes ont essayé, là, la boisson, puis tout ça. Puis là maintenant, à 20 ans, là j'étais tannée, là. J'étais assez, je me rendais compte que j'étais à côté. Même si vous aviez la parole de Dieu chez vous et tout, on voit que c'est possible. Je la lisais plus, je voulais pas, je savais que ça m'accusait. Faut pas que les parents se découragent, hein? Oui, ouais, c'est ça. J'ai eu vraiment des bons parents pour ça, cette période-là. Là. C'est ça, à 20 ans, ben là, j'ai eu un accident d'auto. Ça, j'ai pris ça comme une parole du Seigneur en voulant dire « Réveille-toi ». Ensuite, j'ai été au 30e anniversaire de l'Église à Saint-Georges. Puis il y a eu bien des beaux messages, puis ça me dérangeait pas, ça me frappait pas. Puis à un moment donné, un homme qui a chanté une chanson, puis les paroles qu'il chantait, ça disait « Ton amour au Dieu est si grand que mon âme ne peut en définir la pensée. » Et cette parole-là, on dirait que ça m'a tout réveillée. Là, je voyais ce que j'avais fait durant ces 3 années-là, puis je voyais ce que Dieu avait fait pour moi, lui, qui m'avait gardé tout le long. Là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a mis comme au pied du mur, puis là, j'ai pris le bon choix de revenir au Seigneur, puis de vivre pour lui. Puis là, ben moi, ma peur, c'était d'être seule. Fait que là, je priais le Seigneur pour ça. Puis là, une année, j'ai dit, « Bon, là, Seigneur, si tu veux, je suis seule, moi, rester seule, mais reste avec moi. » Puis, au bout d'un an, je l'ai rencontré. Lors de ce rendez-vous de moto. C'est le premier rallye de moto que j'allais. Oui. Rallye de moto chrétien. Moi, j'aimais ça. J'ai toujours aimé les motards. Ça m'a toujours attiré. Bien, ça faisait fâcher mon père, par exemple. Ça m'a toujours attiré. Quel papa que ça ferait pas fâcher, sauf que je connais des papas qui sont dans les clubs de moto avec leurs enfants. Oui, mais à ce temps, ça le fâche plus, là. Mais, puis c'est ça. Puis là, je l'ai rencontré, lui, à cette rallye-là, puis ça l'a cliqué, là. Qu'est-ce que ça vous faisait, tous les deux? Robert nous en a parlé un petit peu tantôt. Il était là, puis tu regardais autour, il n'y avait pas de bière. Tu devais te dire, il n'y a pas de fun à y avoir ici, il n'y a pas de plaisir à y avoir ici. Puis toi, c'est la même chose, ça devait vous impressionner, Nathalie? Ça m'impressionnait, mais je me disais que le fun était vraiment là. Parce qu'où est-ce qu'il y avait de la bière, c'est pas du fun qu'où est-ce qu'il y a de la bière puis où est-ce qu'il y a de la drogue. C'est pas du fun. Tu t'en rappelles pas le lendemain. La plupart du temps, c'est des chicanes, c'est toutes des choses comme ça. Du monde qui sont bien amis, bien, quand ils sont chauds ou drogués, ils se chicanent, ils s'entretuent. C'est pas là qu'il y a le fun. La route en tue beaucoup aussi. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Hein, ouais.
C'est bien vrai ce que vous dites. Puis qu'est-ce qui est arrivé après ça? Ah, ben depuis qu'on a accepté, que moi j'ai accepté le Seigneur. Est-ce que tu as pu voir, vous avez pu voir les changements tous les deux, ou toi, Robert, tu as pu voir les transformations qui se faisaient? Bien, ça en était une, d'arrêter les trois choses en même temps, la drague. Ça, c'est la grosse transformation que j'ai eue. Mais depuis ce temps-là, bien, ça, c'est venu par après qu'on se soit rencontrés. Des bénédictions, j'ai eu un enfant, puis depuis ce temps-là, bien, je veux dire, ma vie a changé pour le mieux, je dirais. C'est beau de vous entendre dire ça. Et tous les deux, qu'est-ce que c'est que vous prévoyez là, faire? Est-ce que vous avez des projets de couple, de famille, comme chrétien? Vous faites partie d'une assemblée de chrétiens évangéliques ici même? Est-ce que c'est dans cette... Oui. Nous sommes réunis aujourd'hui. Exactement. On voit les bancs d'église ici autour, dans la petite chapelle de Saint-Just. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des projets? Des fois, vous en parlez ensemble. On ne veut pas dévoiler tous vos secrets, là. Mais est-ce que vous pouvez nous laisser savoir quelque chose, peut-être, de vos projets d'avenir comme chrétien, comme couple? Projet d'évangélisation en couple, là. Hein? On n'a pas vraiment connu ça en couple, faire des projets d'évangélisation. Ça serait quoi, par exemple? Auprès des jeunes, là, qui ont vécu ce qu'on a vécu. Hmm. Parce qu'on connaît ça, là, on l'a vécu, on est capable de leur aider. Là. On se promène là, en moto, là, si je peux la plaquer. Là, vous faites de la moto, là? Oui. Ouais, ah, si je peux la plaquer, là, ça bientôt. Ça veut dire quoi, la plaquer? Mettre la licence pour aller me promener, ouais. Puis passer des traités, comme on dit, pour justement des traités qui parlent de notre transformation, des témoignages personnels. Vous feriez ça comme un groupe? Oui, des fois aussi, ça peut arriver qu'on aille dans des écoles secondaires. Moi, souvent, parce que je suis jeune, puis ils sont plus portés à écouter un jeune qui a passé par là. C'est bon d'avoir plusieurs membres de plusieurs âges, dépendamment où ce qu'on va, pour proclamer la nouvelle. J'entends parler des moteurs comme les vôtres, comme vous en faites partie, là, en bien. Dans la région de Montréal, je sais que vous visitez dans les écoles. Oui. Vous mettez en garde beaucoup, beaucoup de jeunes. Surtout contre la drogue. Oui. Vous faites beaucoup, beaucoup de bien. J'entends des chrétiens, des fois, qui pourraient peut-être prendre la Bible un petit peu à riser ou être indifférent, tout simplement. Mais quand ils savent le travail que vous faites auprès de la jeunesse, on dirait qu'ils sont prêts à écouter le message de l'Évangile après. Oui. Moi, je doutais beaucoup de... Comme je disais tout à l'heure, je reviens en arrière un petit peu. Oui. Je doutais là, que le Seigneur pouvait exister. Puis, quand je me suis fait remettre, c'était pas cette Bible-là, là. C'était un petit Nouveau Testament rouge. Là. J'ai commencé à lire ça. Puis, le premier livre qu'on peut lire, c'est dans Matthieu. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé à lire, si vous permettez, je vais vous en lire un bout. Oui, c'est important pour moi. Oui, parce est-ce que... Est-ce que c'est beaucoup? Parce qu'on a à peu près... Ah, ça va une prendre, minute, ça va me prendre à peu près ça. Oui. Parce que c'est important pour moi, parce que c'est ça qui m'a fait arrêter de douter. Okay. On a vu voir alors encore... Alors, on va lire tout de suite, parce qu'il reste juste une minute. La puissance. C'était Jésus qui marchait sur l'eau. Mm-hmm. Puis, il y avait Jean qui était dans la barque, à la pêche. Puis, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit « c'est un fantôme mm-hmm. ». Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Autrement dit, en marchant sur les eaux. Et il dit, le Seigneur dit, « Viens, Pierre, sorti de la barque, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer dans l'eau, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main et lui dit, « Homme, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Eh bien, là-dessus, mes chers Robert et Nathalie, merci beaucoup. Je vous l'avais dit que ça passait vite. Non. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et nous sommes de retour en studio. Et je commence tout de suite par vous montrer les ouvrages que nous avons ici, le Nouveau Testament français courant et aussi Bonne nouvelle aujourd'hui. Et j'aimerais, pendant qu'on regarde les numéros de téléphone et que vous les notez, je vais quand même vous les donner, en lire une couple, là, ici, Montréal et la Rive-Sud. C'est le 514-467-9966. Saint-Élie, le 819-290-4428 et le 819 pour Sherbrooke, 566-6946.
Et je prends le temps de lire encore un passage dans le livre de Gaston Racine. Il écrit ce qui suit. « Toute vie porte en elle un message. Et nous croyons que celle de la mère de notre Seigneur est d'un enseignement et d'une richesse incomparables. » Il continue en disant « Nous croyons fermement que les âmes unies au Christ et réellement attachées à la Bible, quelle que soit leur dénomination, trouveront dans cette étude un aliment pour leur cœur et une occasion de méditation profonde. » Alors, ce sont de belles choses qu'on retrouve dans le livre de Gaston Racine, « Les leçons de Marie ». Eh bien, nous avons un duo, c'est Lynn Gass et Linda. Linda Derry, ce sont des belles sœurs. Alors, les belles sœurs vont chanter à la gloire du Seigneur. Vous pouvez être certain de ça. Vous pourrez chanter, vous aussi, « Que mes paroles soient une louange et ma prière comme un parfum tout au long de ma vie. » Merci. C'était Lynn Gass et Linda Derry. Aimeriez-vous les entendre chanter à nouveau? C'est possible.
Vous pouvez nous appeler et certainement qu'elle serait heureuse. Le trio aussi, la semaine dernière, nous avons entendu Michel Derry chanter avec elle. Vous pourriez nous demander à quel endroit elles se produisent. Il nous ferait plaisir de vous donner les informations. Et nous vous montrons, en terminant l'émission, les deux ouvrages à nouveau, le Nouveau Testament en français courant et Les leçons de Marie par Gaston Racine. Demandez ces ouvrages pendant l'émission, si possible. Nous allons vous donner les numéros de téléphone. Et je pense que j'en ai encore une couple de numéros à vous rappeler. Il y a, par exemple, Saint-Élie au 819-829-0428 et Sherbrooke 819-566-6946. Il est possible là, que j'ai répété deux fois les mêmes numéros, mais au cours de l'émission, vous avez eu la plupart de ces numéros, j'espère tous. Tous les numéros. Il y a encore autre chose que j'aurais voulu vous partager du livre de Gaston Racine. À la page 15, il écrit « Marie aussi est très près de nous. C'est la mère de notre Seigneur et nous nous souvenons d'elle pour imiter sa foi. Car l'issue de sa conduite a été de donner au monde le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Maître, l'unique salut pour l'humanité. » Eh bien, la semaine prochaine, ce sera mon fils Alain et ma belle-fille Carole, Alain Saint-Louis et Carole, qui seront nos invités, ainsi que la chorale L'Estrie de joie, avec sous la direction de Louise Lavoie. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. De toute l'équipe, nous vous disons au revoir.